Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Toc Toc Docteur, l'émission du Figaro Santé. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est-à-dire la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Pour cela, nous avons invité le professeur Franck Carbonel, qui est chef du service de gastro-entérologie à l'hôpital Bicêtre à PHP dans le Val-de-Marne. Professeur Carbonel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quelle part de vos patients est touchée par ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin? Environ 2/3 de mes patients sont atteints de la maladie de Crohn ou de la rectocolite hémorragique, qui sont les deux principales maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et si vous deviez faire le portrait robot de ces patients, quel serait-il? Ce sont des adultes jeunes, un tout petit peu plus souvent des femmes que des hommes, qui ont pour principaux symptômes des douleurs abdominales, de la diarrhée et du sang, et qui arrivent avec une grande fatigue et beaucoup d'anxiété. On reparlera des symptômes un peu plus tard. Également sur le plateau, nous avons nos deux journalistes, donc Aurélie Franck, qui est journaliste au Figaro Santé, et Anne Xaillet, qui est journaliste au Journal des Femmes. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Aurélie, il me semble que vous avez un message pour les internautes qui nous suivent en ce moment même. Oui, tout à fait. L'émission actuelle est en direct, donc voilà, je voulais dire aux internautes de ne pas hésiter à poser toutes les questions qui leur viennent à l'esprit à propos des Mickey et de réagir, de livrer votre expérience si vous le souhaitez, vos témoignages, et nous serons là ici avec le professeur Carbonel pour répondre à vos interrogations. Donc les Mickey, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et il y a sans doute des internautes qui sont concernés par ces maladies ou qui ont un proche concerné, puisque c'est environ 100 000 personnes en France qui ont la maladie de Crohn et 100 000 autres qui ont la rectocolite hémorragique. Donc pour rappeler rapidement ce que c'est que ces maladies, ce sont des maladies auto-immunes, du système immunitaire, qui sont caractérisées par des inflammations de la paroi du tube digestif à différents endroits de ce tube digestif. Alors ces maladies évoluent par poussée inflammatoire de durée et de fréquence très variable, et puis elles sont alternées avec des phases de rémission où ça va mieux. Mais néanmoins, ça reste des maladies très invalidantes, on reviendra un peu plus tard sur les symptômes. Et puis, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour essayer un peu de comprendre ce qui se passe dans les intestins de ces personnes. Et donc, Anne, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent les intestins de façon normale chez une personne en bonne santé ? Alors, oui, tout à fait. Alors, d'abord, un petit rappel. Donc, la muqueuse intestinale, c'est cette couche qui entoure le tube digestif au niveau de l'intestin. Sa surface n'est pas lisse. Elle est composée de replis qu'on appelle microvillosités et dont le rôle, en fait, est de favoriser l'absorption des nutriments apportés par l'alimentation vers les capillaires sanguins. Alors, elle a aussi un rôle de barrière contre les micro-organismes pathogènes apportés par l'extérieur, par l'alimentation en particulier. Pathogène, c'est dangereux, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Et c'est à la fois une barrière qui est physique, justement parce que ces microvillosités sont serrées, et aussi sur sa paroi, on a un mucus qui va en quelque sorte piéger ces micro-organismes. Et puis, c'est aussi une barrière chimique, parce que dans ce mucus, on va trouver des molécules, des peptides antibactériens, et puis des cellules de l'immunité innée, comme des macrophages, donc pour activer la défense immunitaire. Alors, en plus d'être une barrière comme ça de défense immunitaire, c'est aussi une barrière pour préserver au sein de la muqueuse des bactéries qui nous veulent du bien. Donc, c'est ce fameux microbiote intestinal qu'on appelle aussi flore intestinale. Et en fait, sans ce microbiote qui est composé de plusieurs centaines de bactéries, eh bien, on serait incapable de digérer certaines bactéries apportées par l'alimentation. Et puis, ce microbiote, il a aussi un rôle dans la défense immunitaire, notamment pour aider l'organisme à différencier les organismes pathogènes et non pathogènes. Alors justement, qu'est-ce qu'on observe chez les personnes qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ? C'est différent, tout est perturbé, voilà. J'imagine. Exactement. Il y a beaucoup de dérèglements. Alors, on observe plusieurs choses. On observe une diminution de la sécrétion de ce mucus dont je parlais tout à l'heure au niveau de la muqueuse intestinale, une diminution des peptides antimicrobiens, une augmentation de la perméabilité et puis surtout un dérèglement du microbiote. Donc en fait, les bactéries protectrices vont diminuer par rapport aux bactéries délétères. Et justement, on pense que c'est ce déséquilibre de la flore intestinale chez des personnes prédisposées et sous l'influence de facteurs environnementaux qui seraient à l'origine ou qui aggraveraient les pathologies de l'intestin.
Alors, on va observer un dysfonctionnement du système immunitaire qui va s'activer de manière excessive contre les bactéries naturellement présentes dans l'intestin. Et finalement, ces cellules qui normalement nous défendent, eh bien, vont se mettre à agresser sans raison la muqueuse intestinale. Ça va donner à des inflammations sur l'intestin. D'accord. On a une infographie animée qui nous résume tout ça. Est-ce qu'on peut la passer ? Alors voilà, on voit donc cette infographie. Alors ici, vous voyez, donc dans le cas normal, l'intestin donc, joue un rôle de barrière. Et ici, justement, dans un cas pathologique, on voit bien ces zones d'inflammation. Donc on revient sur le cas normal. Donc vous reconnaissez ici l'intestin qui joue bien son rôle de barrière. Voilà. Voilà, donc les aliments descendent, passent à travers le tube digestif, les nutriments sont extraits, passent dans le sang. Tout à fait. Et puis là, voilà, une inflammation, donc un dérèglement du microbiote avec une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux. Et on voit que cette inflammation, en fait, elle peut toucher l'ensemble de l'intestin dans le cas de la maladie de Crohn et en revanche plutôt le rectum et le côlon dans le cas d'une rectolite hémorragique. Et voilà, et tout ça va donner lieu à des lésions, des symptômes dont on va parler juste après. Alors, professeur Carbonel, est-ce qu'on sait un peu dans quel ordre surviennent ces événements ? Est-ce que c'est d'abord le microbiote, donc la flore intestinale qui est déséquilibrée, ou est-ce que c'est d'abord des facteurs génétiques qui font que certains gènes s'expriment et pas d'autres, etc. Est-ce qu'on connaît un peu l'ordre de cette pathologie ? Non, je suis tout à fait d'accord avec votre présentation. Les quatre facteurs fondamentaux, ce sont les facteurs d'environnement, les prédisposition génétique. Attention, ce n'est pas une maladie génétique comme l'est par exemple la mucoviscidose avec un gène, une mutation, une protéine mutée, dysfonctionnelle, une maladie, mais plutôt une mosaïque de gènes qui chacun augmente un tout petit peu le risque de la maladie. Donc ces quatre facteurs, environnement, microbiote, génétique et dérèglement immunitaire, maintenant comment ils s'agencent dans le temps, on ne le sait pas. Il y a actuellement une expérience en cours au Canada qui consiste dans le suivi de plusieurs milliers de personnes à risque de maladie de Crohn, qui a justement pour but de savoir comment s'agencent ces différents éléments dans le temps. Parce que la difficulté, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas accès à la phase prémorbide dans ces maladies. C'est-à-dire la phase prémorbide ? La phase avant la maladie. D'accord. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans les mois, les semaines qui précèdent l'apparition de la maladie. Donc on ne peut pas bien savoir comment ils s'agencent, ces D'accord. différents éléments. Alors, juste... Parce que ce que l'on sait quand même, néanmoins, pour répondre à votre... question, c'est qu'on peut détecter des anomalies dans le sang des personnes qui vont avoir une maladie de Crohn. On peut détecter des anomalies dans le sang et en particulier l'apparition de certains anticorps dirigés contre des antigènes de la flore bactérienne, ce fameux microbiote, plusieurs années avant l'éclosion de la maladie. D'accord. On a quelques questions hein, sur Facebook et on Allez-y. Vous en remercie. Continuez à poser toutes les questions que vous avez. On a des questions notamment concernant exactement quelle est la différence entre la maladie de Crohn, donc Anne a commencé à l'expliquer, entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Quelles sont exactement les différences entre ces deux maladies ? Donc ce sont deux maladies qui sont finalement assez voisines et le traitement des deux maladies est très proche en réalité. Maintenant, il y a des similitudes, on vient de les voir, mais il y a aussi des différences qui tiennent dans la distribution des lésions et dans leur nature. La maladie de Crohn, en fait, peut toucher tous les étages du tube digestif, vous l'avez dit, mais tout particulièrement la frontière entre l'intestin grêle et le côlon, ce qu'on appelle l'iléon terminal, le côlon et le périnée, c'est-à-dire l'anus, tandis que la rectocolite hémorragique n'atteint que le côlon, le rectum, et puis ensuite, ça peut monter plus ou moins haut, mais ça n'atteint que le côlon. Alors justement, quels sont les grands symptômes de ces maladies et en quoi ils diffèrent en fonction de Crohn et de la rectocolite hémorragique ? Les deux grands symptômes de la maladie de Crohn, c'est les douleurs abdominales et la diarrhée. Ce sont les deux principaux symptômes de cette maladie. Voilà, donc on le voit sur l'infographie. Diarrhée, douleurs abdominales, il peut y avoir aussi des signes généraux comme de la fatigue, une perte de poids. Et aussi des manifestations dites extra-intestinales, et en particulier les douleurs articulaires, parfois des arthrites, qui peuvent toucher le rachis, en fait, la colonne vertébrale. La rectocolite hémorragique, les deux principaux symptômes, c'est la diarrhée et la présence de sang dans les selles. C'est d'ailleurs pourquoi cette maladie est diagnostiquée plus rapidement que la maladie de Crohn, parce que lorsque l'on constate la présence de sang dans les selles, on s'inquiète assez rapidement et on va consulter. Il peut y avoir aussi, comme dans la maladie de Crohn, de la fatigue, une perte de poids, dans les formes graves de la fièvre, et puis aussi des manifestations extra-intestinales qui peuvent toucher les articulations, mais aussi la peau, le foie, etc.
Et est-ce qu'on sait pourquoi ça touche les articulations, justement? Est-ce qu'on a des pistes? Oui, alors, il y a plusieurs théories. Hein, et en particulier, disons qu'il peut y avoir des phénomènes de mimétisme moléculaire entre certains déterminants des articulations et des déterminants de la flore. Et puis, il peut y avoir aussi une exportation de la réaction immunitaire au niveau de l'intestin, au niveau des articulations. Une exportation de la réaction immunitaire, en quelque sorte. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des cellules qui sont armées dans l'intestin et qui ensuite vont arriver dans les articulations pour y jouer un rôle pro-inflammatoire. D'accord. Et les diarrhées dont vous parliez, elles sont fréquentes, très fréquentes? Est-ce que c'est vraiment des diarrhées exceptionnelles ou à quel moment on doit s'inquiéter, en fait? Parce que un peu trop longtemps, mais... Oui. Je pense qu'il faut aller consulter quand on a des symptômes qui sont inhabituels, une modification du transit intestinal, des douleurs abdominales qui durent. On a souvent les personnes comme ça ont souvent tendance à banaliser, c'est le stress ou c'est une gastro-entérite, mais ça a bon dos, quoi, le stress et la gastro-entérite. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin. On le verra tout à l'heure, mais il y a des moyens de plus en plus simples et de moins en moins invasifs pour faire le diagnostic de maladie de Crohn. C'est surtout la maladie de Crohn qui pose problème, parce que dans la rectocolite hémorragique, comme le symptôme principal, c'est la présence de sang dans les selles, la plupart des gens, quand ils voient du sang dans les selles, ils s'inquiètent, ils vont consulter. Et est-ce qu'il faut avoir très très mal? Est-ce qu'il y a une échelle de la douleur pour véritablement s'inquiéter de savoir si on a cette maladie, ces maladies ou non? Il y a des gens qui... La sensibilité à la douleur est très variable d'un individu à l'autre. Vous avez des personnes qui iront consulter en dernier recours, alors qu'ils ont une péritonite, et d'autres qui, pour une douleur modérée... Donc on ne peut pas donner de recommandations. Je pense que si vous avez des douleurs abdominales qui durent, mettons, plus de 15 jours, ou des troubles du transit qui durent plus de 15 jours, ce sont des symptômes qui sont évocateurs. Les autres symptômes qui doivent conduire à rechercher... l'avis du médecin, c'est l'amaigrissement, la fièvre, les douleurs nocturnes, des difficultés à se retenir pour aller aux toilettes. Ce sont des symptômes d'alarme qui font suspecter une organicité à ces symptômes. D'accord. Aurélie, est-ce qu'on a des questions sur Facebook? Oui, on a beaucoup de questions, beaucoup de réactions. Et on a Marie Bureau-Cabane qui nous demande, les douleurs articulaires sont-elles une fatalité dans ces maladies ou pas? Non. Elles ne concernent qu'une minorité de patients, une minorité significative, mais une minorité de patients, disons un quart comme ça, qui ont des douleurs articulaires plus ou moins importantes, mais une grande partie des malades n'en ont pas. D'accord. Et on a un témoignage également, Anne. Oui, on a Christiane qui nous parle de son mari, en fait, qui nous dit il est en pleine crise de colis depuis 3 semaines, ça ne passe pas, c'est douloureux, que faire? Eh bien, il faut qu'il contacte son gastro-entérologue référent pour qu'il ait rapidement un rendez-vous avec lui. Et si possible, ce qui est bien, c'est de faire un bilan biologique, c'est-à-dire une prise de sang avant de le voir. D'accord. Ou une analyse de sel avant de le voir. D'accord. Les deux même. Alors, on l'imagine bien, ces symptômes sont très invalidants. Et notre journaliste Pierre Cordet, qui est également médecin, nous explique en quoi ces symptômes sont invalidants dans le cadre d'une grossesse. Voilà, donc on va lancer la chronique de Pierre dans un instant. La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique entraînent des troubles de la fertilité. Eh bien, c'est vrai et c'est faux. La fertilité des femmes souffrant de maladie de Crohn ou d'une rectocolite hémorragique non active est habituellement identique à la population normale, ça c'est vrai. Mais au cours de la maladie de Crohn, il existe un risque plus important de stérilité chez les femmes atteintes d'une maladie de Crohn active ou qui ont été opérées. Cette stérilité peut ainsi être notamment secondaire à l'activité de la maladie, à une inflammation qui peut toucher l'appareil ovarien et les annexes, ou à un rétrécissement des trompes provoqué par des adhérences survenant après l'intervention chirurgicale. D'autre part, la peur des douleurs provoquées par les lésions périnéales entraîne souvent une réticence à faire l'amour, empêchant peu à peu les rapports sexuels. Au cours de la rectocolite hémorragique, une baisse du taux de fertilité est observée essentiellement après une intervention chirurgicale lors d'une anastomose iléo-anale. Cette infertilité d'origine mécanique rend néanmoins possible une grossesse avec le recours à une fécondation in vitro. Il est donc absolument nécessaire de parler de ce risque
à une femme jeune dont la rectocolite hémorragique nécessite un geste chirurgical. Des troubles de la fertilité peuvent également survenir chez les hommes atteints de ces pathologies au décours d'une intervention chirurgicale lors d'une anastomose iléo-anale qui peut provoquer des éjaculations rétrogrades ou des troubles de l'érection. Il est donc conseillé chez ces patients de réaliser une autoconservation du sperme avant le geste chirurgical. Professeur Carbonel, on vient d'entendre une chronique sur justement les troubles de la fertilité. Le docteur Pierre Cordet parlait des anastomoses iléo-anales. Qu'est-ce que c'est ? C'est une intervention chirurgicale qui consiste à réaliser l'ablation de la totalité du côlon et du rectum et puis à replier l'intestin grêle sur lui-même pour former un réservoir qui sera ensuite suturé, anastomosé, à l'anus. Donc c'est une opération qui est indiquée dans la rectocolite hémorragique et qui permet donc de supprimer l'organe cible de la maladie tout en préservant la continence sphinctérienne. Est-ce que vos patients, de temps en temps, vous confient avoir des troubles de la fertilité ou des troubles sexuels, tout simplement, même si c'est tabou ? Alors, il y a des troubles sexuels chez les hommes et les femmes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Dans le cadre de la consultation, ça ne s'échange pas beaucoup. Je pense qu'il faudrait avoir davantage recours avec une infirmière de coordination ou avec une psychologue. Des troubles de la fertilité, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. En moyenne, la fertilité n'est pas atteinte dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, sauf en période d'activité de la maladie où, quand on est malade, on a moins envie d'avoir des relations sexuelles que quand on est bien portant. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et qui sont enceintes. C'est une des premières questions que posent les patientes quand on vient de leur révéler le diagnostic. Est-ce que je pourrais avoir des enfants ? Et la réponse est oui, mais il faudra... Malgré les traitements. Malgré les traitements, et même grâce aux traitements. Mmh. Parce qu'il vaut mieux être sous traitement pendant la grossesse et avoir une maladie de Crohn ou une rectocolite inactive plutôt que d'aborder la grossesse en période d'activité. Donc la réponse est oui, vous pourrez avoir des enfants, bien sûr, mais il faudra avoir un suivi attentif pendant la grossesse. Ce sont des grossesses qui doivent être suivies attentivement, à la fois par l'obstétricien et par le gastro-entérologue. Est-ce qu'on a des questions du côté des réseaux sociaux ? Alors, on a une question de Martine qui demande est-ce que la maladie de Crohn peut être contractée suite à un choc psychologique ? Le rôle du stress. Le rôle du stress, oui, c'est une question difficile à laquelle on n'a pas de réponse nette. À ce stade, il n'y a pas d'éléments durs, par exemple de preuves statistiques, qu'il y a un lien entre le stress et l'acquisition d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Pour vous donner un exemple, il y a eu beaucoup une grosse littérature scientifique sur le sujet, mais il y a une étude qui a été effectuée au Danemark, il y a déjà peut-être 10 ou 15 ans, à l'échelle du Danemark entier, où, vous savez, dans ces pays, il y a des répertoires, des registres qui sont extrêmement bien tenus, où on a étudié l'incidence de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux cas dans les familles au sein qui avaient perdu un enfant. Donc la perte d'un enfant, c'est un stress, un des plus grands stress qu'on peut rencontrer au cours de sa vie. Et on n'a pas observé d'augmentation du risque de maladie de Crohn, de rectocolite hémorragique dans ces conditions. Maintenant, les malades relatent quand même des faits qui sont assez troublants et on ne peut pas l'écarter, mais disons qu'il n'y a pas de preuves. On dit souvent dans notre métier que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. L'étude du stress est particulièrement difficile. Qu'est-ce qu'un stress, par exemple ? Qu'est-ce qu'un stress ? Par exemple, perdre un enfant, c'est un stress. Pour d'autres événements de vie, c'est plus difficile. On a une autre question également. Peut-on se débarrasser, guérir de la rectocolite hémorragique ? C'est Jeanne Gallard qui nous pose cette question. Peut-on en guérir également de la maladie de Crohn ? Alors, on observe dans la rectocolite hémorragique une baisse tendancielle de l'activité de la maladie avec le temps. C'est-à-dire, il y a une tendance à la diminution d'activité avec le temps.
Et il y a des personnes qui connaissent des rémissions très, très prolongées. En diminution d'activité, C'est-à-dire une diminution du nombre de poussées, une diminution des symptômes, et puis la muqueuse qui se répare progressivement, d'accord, et puis qui reste réparée pendant un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Dans quel pourcentage des cas ? Eh bien, écoutez, dans les études qui ont été faites en Norvège, il y a à peu près 40% des patients qui ont une forme caractérisée par une forte activité de la maladie au début, et ensuite une baisse tendancielle de l'activité avec le temps. Et donc, sur ces 40%, on peut estimer qu'il y a peut-être entre un tiers et la moitié qui finissent par avoir une maladie qui devient quiescente, c'est-à-dire inactive de manière prolongée. D'accord. Donc on parle de rémission spontanée, peut-être Spontanée ou provoquée. Ouais. Et concernant provoqué la maladie par les de Crohn, c'est... Pour la maladie de Crohn, c'est un peu moins fréquent, mais d'accord, ça existe aussi. Et en particulier chez des personnes qui ont été opérées et chez qui la maladie ne récidive pas ou très peu, ou à minima. D'accord. Ça existe aussi. Donc on parlera des traitements tout à l'heure. Il y a des traitements médicaux, mais il y a aussi des traitements chirurgicaux. Allez, on continue tout de suite avec un autre volet de notre émission. On va parler maintenant du diagnostic, puisque une fois que les symptômes sont là, vers qui un patient doit se tourner et quels sont les tests qui sont réalisés justement pour poser ce diagnostic, professeur Carbonel ? Alors, les tests pour poser le diagnostic, bon, d'abord, c'est toujours l'examen clinique, c'est-à-dire l'interrogatoire, un recueil précis des symptômes, leur évolution dans le temps, caractériser les douleurs, la diarrhée. Ensuite, un examen physique, l'examen de l'abdomen, du périnée, mais aussi de la peau, des articulations. La troisième étape, c'est de faire des examens biologiques avec des analyses de sang et puis des analyses de sel. On dispose d'un test qui s'appelle le test de la calprotectine fécale, qui est une mesure de l'inflammation de l'intestin, qui n'est pas encore remboursée, mais je pense que ça viendra, et qui permet de voir tout de suite et de manière totalement non-invasive s'il y a ou pas une inflammation de l'intestin. En quoi il consiste, ce test ? Un prélèvement de sel qu'on amène au laboratoire. On analyse les oui, sels ? Oui, et on dose une protéine qui s'appelle la calprotectine, qui est fabriquée par des cellules qu'on appelle les polynucléaires, et qu'on trouve en nombre augmenté dans la muqueuse des patients atteints de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique. Et ensuite, on fait des examens d'imagerie, donc une coloscopie avec des biopsies, c'est-à-dire un examen du côlon avec un tuyau qui est relié à un écran d'ordinateur. Une caméra. On fait des biopsies, donc on prélève des échantillons de muqueuses intestinales qui vont être examinés au microscope par des médecins pathologistes. Cette étape-là est indispensable. Il y a aussi d'autres examens d'imagerie, comme le scanner, l'IRM, et puis la vidéocapsule, vous savez, cette petite caméra qu'on avale et qui va filmer l'intestin. Donc on la fait rentrer par la bouche et non par oui, c'est ça. L'anus. Ouais. Voilà, par le haut. La coloscopie, c'est... Par l'anus. D'accord. Oui. Et dans les examens sanguins, qu'est-ce qui doit mettre sur la piste justement d'une maladie inflammatoire de l'intestin ? Les principaux items sont l'hémoglobine, donc voir s'il y a ou pas une anémie, la CRP, qui renseigne sur l'inflammation, et l'albumine, si elle est abaissée, c'est en faveur d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc, un ou moins de ces trois items perturbés est en faveur d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, mais on peut très bien avoir ces trois éléments normaux et avoir une MICI quand même. J'insiste sur la calprotectine. Qui n'est pas encore remboursé, mais qu'on peut faire dans les... Vous utilisez en clinique, dans votre pratique quotidienne? Alors, on l'utilise pour le diagnostic, mais aussi pour le suivi des malades. D'accord, pour voir l'évolution de la maladie. Exactement, pour éviter de faire des coloscopies trop nombreuses, parce que c'est quand même un examen qui est utile au diagnostic, mais qui est extrêmement invasif. Il faut une anesthésie, passer une préparation, enfin c'est assez pénible quand même. En général, combien de temps il faut entre les premiers symptômes et la pose du diagnostic, en moyenne ? Quelques semaines à quelques mois, c'est plus long pour la maladie de Crohn que pour la rectocolite hémorragique. Chez l'adolescent en particulier, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années, même parfois, avec un retard de croissance, par exemple. Ouais. Les adolescents, les enfants n'aiment pas trop parler du transit intestinal. Il faut vraiment aller chercher ces perturbations par l'interrogatoire. En revanche, ils sont fatigués, ils ont du mal à grandir, vous voyez. Et ça peut prendre des mois, parfois un an, parfois un peu plus. Sans doute que l'intervalle de temps entre les premiers symptômes et le diagnostic est trop long. On devrait pouvoir le raccourcir.
peut-être en généralisant les examens non invasifs tels que ceux dont on vient de, dont on vient de parler. Pour la rectocolite hémorragique, mais on l'a déjà dit, il y a du sang dans les selles, donc voilà. Plus facile. Ouais. Et ça se fait auprès d'un médecin généraliste ou dans tous les cas auprès de spécialistes, ce diagnostic? Le diagnostic doit être établi par un spécialiste, hospitalier ou libéral. Mais... Alors, on va faire un tour du côté des réseaux sociaux. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a beaucoup de questions. Et justement, comme on y vient tout de suite sur savoir si les maladies sont héréditaires ou alors génétiques, est-ce que ces deux maladies sont, enfin, les Mickey en général et la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique sont héréditaires et ou génétiques? Alors, ce sont des maladies héréditaires et génétiques, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il y a une part héréditaire de ces maladies. Il y a des maladies qui sont purement héréditaires. Est-ce que vous pouvez faire déjà un petit peu la distinction Oui. Entre... Ben, héréditaire, c'est dès la naissance. Ouais. Génétique, c'est lié à des modifications des gènes. D'accord. Et on peut avoir une maladie héréditaire qui n'est pas d'origine génétique. Mmh. Et puis, on peut avoir des maladies génétiques à révélation tardive. Mmh. C'est le cas des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, où pour ce qui est de la maladie de Crohn, en tout cas, il y a très peu de cas avant 6 ans. Hein. Ouais. Pour la rectocolite, il y a des cas chez les tout petits enfants, mais c'est vraiment rare. Le pic d'incidence, c'est vraiment vers l'adolescence, le début de l'âge adulte. Donc, ce sont des maladies qui ont une composante génétique qui représente donc en fait où vous avez plus de 200 gènes de prédisposition qui augmentent chacun un tout petit peu le risque d'avoir la maladie. Vous avez des maladies qui sont purement génétiques. C'est le cas de la mucoviscidose, on en a parlé tout à l'heure, ou les myopathies du téléthon, par exemple. Vous avez une protéine, enfin un gène qui code pour une protéine. Vous avez une mutation de ce gène qui aboutit à une protéine qui est défectueuse et à une maladie. Dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ça augmente le risque d'avoir le Crohn ou la rectocolite hémorragique. Mais ce n'est pas des maladies purement génétiques, sauf dans quelques cas où vous avez des hérédités dites monogéniques, c'est là où justement on trouve des maladies chez les tout petits enfants. Mais ça représente. Donc c'est plus héréditaire que génétique. Ce sont des maladies qui ont un support génétique, voilà, avec d'accord. une prédisposition génétique. D'accord. Ouais. Mais donc est-ce qu'elles se transmettent à des parents aux enfants ou non? Est-ce qu'on connaît la réponse? Est-ce que vous avez des cas familiaux justement? Alors il y a des cas familiaux, il y a des cas de parents à enfants. Il y a des cas multiplex aussi, des familles multiplex dans lesquelles vous avez plusieurs enfants, sur des familles de 5 ou 6 enfants, vous en avez 3 ou 4 qui ont la maladie de Crohn et vous avez des agrégats familiaux comme ça. Il y a aussi des formes conjugales, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont la maladie de Crohn, qui épousent quelqu'un qui ne l'a pas, et au bout de quelques années, le conjoint, là, ce qui suggère qu'il y a une transmission quand même de la maladie et que ça ne passe pas forcément par la génétique. Pour répondre à votre question de façon pratique, j'ai la maladie de Crohn, est-ce que j'ai un risque de transmettre la maladie à mon enfant? Ce risque est très faible, en fait. Hein, il est de l'ordre de 3-4%. Il est plus élevé si les deux parents ont la maladie de Crohn, mais c'est une occurrence assez rare. Alors, on va tout de suite passer au profil type des malades. Selon l'assurance maladie, en 2016, 55% des patients qui étaient pris en charge pour Crohn ou une rectocolite hémorragique étaient des femmes. Et en moyenne d'âge, les patients avaient 49 ans. Professeur Carbonel, est-ce que c'est ce que vous constatez en pratique ou est-ce que vous voyez des gens beaucoup plus jeunes que ça? Est-ce que vous voyez des enfants également? Alors... nos collègues pédiatres gastro-entérologues voient des enfants atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, Crohn et rectocolite. Nous les voyons après 18, 19 ou 20 ans. Ils nous les adressent. On a l'habitude de voir des patients plus jeunes quand même. 49 ans est un âge un peu avancé pour... Alors, 49 ans, c'est l'âge moyen des personnes qui sont prises en charge pour une affection longue durée. Donc, ce n'est pas l'âge moyen de tous les cas. On voit plutôt des malades un peu plus jeunes, en moyenne. Mais c'est une maladie qui peut survenir à tout âge. On l'a vu chez l'enfant, mais aussi au cours du troisième âge, parfois du quatrième, d'ailleurs. D'accord.
Alors maintenant, on a reproduit une carte du monde à partir des données d'une étude publiée en fin d'année dernière, en octobre 2017, dans une grande revue scientifique. Et elle montre en fait la présence de la maladie dans le monde. Donc en rouge, on voit que c'est les pays qui sont particulièrement touchés, avec un grand nombre de cas pour 10 000 habitants par an. En vert, on a un petit peu moins de cas. Et puis en bleu foncé, c'est carrément les pays qui sont quasiment exonérés de la maladie. Et là, sur cette carte, on voit justement que les pays d'Amérique du Nord, d'Europe, également d'Europe du Nord, d'Australie, l'Inde, sont particulièrement touchés, alors que d'autres sont quasiment exemptés de cas. Comment on peut expliquer ces différences? Est-ce que c'est une épidémie de Crohn et de rectocolite hémorragique? Comment on peut comprendre ça, professeur Carbonel? Alors, en fait, ce que montre cette carte, c'est qu'il y a une fréquence élevée de la maladie de Crohn. C'est vrai aussi de la rectocolite hémorragique dans les pays qui adoptent le mode de vie occidental. Et le mode de vie occidental, ça recouvre beaucoup de facteurs. L'exposition aux antibiotiques dans l'enfance, un niveau d'hygiène plus important, l'alimentation qui est différente, le fait d'être moins souvent dehors, donc d'avoir une exposition solaire moins importante que dans d'autres pays, des éléments de l'environnement comme le réfrigérateur, par exemple, la pollution atmosphérique. Autant d'éléments, de facteurs, ceux que je vous ai cités, qui sont des facteurs d'environnement qui ont été soit suspectés, soit démontrés comme ayant un rôle dans la genèse des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie, enfin ce sont des maladies qui sont nées au XXe siècle? Est-ce qu'on a pu assister à la naissance de ces maladies à cause de ces facteurs? Oui, ce sont des maladies. La maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique est probablement plus ancienne. Mais la maladie de Crohn, apparemment, débute avec le siècle, avec le XXe siècle. La toute première description remonte à 1913, et la deuxième dans les années 30 à New York par Bernard Crohn, qui a donné son nom à la maladie. Et comment évolue le nombre de cas? Est-ce qu'on voit des pays où il y a une augmentation fulgurante? Est-ce qu'il y a des pays où ça diminue parce qu'il y a des changements environnementaux? Dans l'ensemble, on observe une stabilisation de l'incidence de la maladie dans les pays occidentaux. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par an qui, dans la plupart des régions des pays occidentaux, on observe une stabilisation. Ça continue à augmenter dans d'autres régions. Par exemple, dans le nord de la France, chez l'adolescent, l'incidence continue à augmenter pour des raisons qu'on ignore, qu'on ne maîtrise pas. Dans certaines régions, par exemple, des Pays-Bas, il y a une région dans laquelle l'incidence augmente aussi de manière très très forte au cours des 20 dernières années. Ce qui est nouveau, c'est l'augmentation de l'incidence dans les pays qui accèdent au développement. On l'a vu sur votre carte tout à l'heure, l'Afrique du Sud, les pays du Golfe, le Brésil et surtout l'Asie, la Corée, la Chine, l'Inde sont des pays qui, en même temps qu'ils accèdent au développement, voient la fréquence des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin augmenter. Et c'est toujours selon le même schéma, c'est-à-dire que d'abord, on observe une augmentation de l'incidence de la rectocolite hémorragique et 10 ans après, c'est la maladie de Crohn qui arrive. Mmh. Et avec le développement des échanges, on voit arriver des patients qui ont, dans mon service, des patients de Chine populaire qui arrivent avec des maladies de Crohn sévères, etc., chose qui aurait été impensable il y a 30 ans. Quoi. Mmh. On fait un petit tour du côté des réseaux sociaux. Est-ce qu'on a une question? Oui, alors, on a un témoignage de Jeanne. Donc, on va parler des traitements après. Mais alors, elle nous dit que son mari a une rectocolite hémorragique depuis 2 ans. Il a un premier traitement Rémicade qui n'a pas été efficace. Un deuxième traitement qu'il a pris chaque mois. Et elle nous dit qu'il saigne toujours. Il est très fatigué. Il baisse les bras. Est-ce qu'il doit persévérer donc dans ce traitement ou est-ce qu'il doit se faire opérer? En fait, il est découragé en quelque sorte. En fait, il faut faire le point. C'est une vraie consultation médicale. Savoir quels sont les éléments de décision, l'intensité des symptômes, l'évolution des lésions, ça c'est important, sous traitement, à la fois en profondeur,
la profondeur des lésions, mais aussi leur distribution dans l'espace, s'il y a moins de colons malades, quelle est la tolérance du traitement. Il est possible aussi de mesurer le taux de chaque médicament dans le sang. Il y a des personnes qui ont tendance à rejeter, à éliminer rapidement le médicament, d'autres conservent, qui les gardent à un niveau souhaité dans le sang. Donc avec ces différents éléments, on peut se faire une idée sur le fait de savoir s'il faut continuer avec ce traitement, augmenter la dose ou changer de traitement, éventuellement aller vers la chirurgie. C'est notre travail au quotidien. Oui, en fait. Ça peut prendre du temps de trouver le bon traitement adapté à chacun. Oui, malheureusement, il n'est pas possible de dire... Le traitement, on va y revenir tout à l'heure, mais le maître mot du traitement des MIKI, hein, c'est le traitement individualisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On utilise des traitements qui ont fait la preuve de leur efficacité donc par des essais cliniques, c'est-à-dire des études qui ont été conduites selon des règles scientifiques. Mais ensuite, on adapte à chaque cas l'utilisation de tel ou tel... médicaments, il n'est pas possible de dire au départ quel traitement va marcher chez telle personne. Et donc, il y a des patients comme celui pour lesquels on est obligé de tâtonner, d'essayer plusieurs traitements avant de trouver le bon. Oui, on a beaucoup de questions sur les traitements et ça nous amène à une autre partie de l'émission. Justement, c'est sur les traitements qui sont actuellement disponibles, leur efficacité et leurs éventuels effets indésirables. Professeur Carbonel, quelles sont les grandes classes de traitements contre les maladies inflammatoires intestinales? Si on reprend le schéma que vous avez fait tout à l'heure avec les facteurs génétiques, les facteurs d'environnement, la perturbation du microbiote de l'intestin et les anomalies de la régulation de l'inflammation, en fait, les traitements dont on dispose aujourd'hui ce sont essentiellement des traitements anti-inflammatoires. Mmh. Anti-inflammatoires comme les corticoïdes, par exemple, les immunomodulateurs, comme le méthotrexate ou les limurels, et puis des médicaments dits biologiques qui vont neutraliser telle ou telle substance qui joue un rôle dans l'inflammation de l'intestin. Par exemple, les anti-TNF qui vont neutraliser le TNF. Donc il en existe trois qui sont disponibles dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui se prennent par injection et qui donne des résultats intéressants dans le contrôle de ces maladies. Et puis, vous avez d'autres traitements qui sont également des biologiques qui vont inhiber la domiciliation des lymphocytes dans l'intestin, qui vont les empêcher d'arriver au niveau du site de l'inflammation et qu'on appelle des anti-intégrines. Et puis, vous avez d'autres médicaments qui vont arriver par la suite, mais je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard. Alors justement, Aurélie va nous faire un petit peu un point sur la recherche et le développement de ces nouveaux traitements. Aurélie, quels sont-ils? Alors voilà, j'allais venir justement aux anti-intégrines. En effet, les laboratoires, Cécile, sont à la recherche aujourd'hui de molécules plus efficaces et mieux tolérées par les patients. Donc on va développer ensemble trois pistes prometteuses. La première piste, c'est les anti-intégrines. C'est-à-dire qu'on va se focaliser sur le trajet des lymphocytes. Les lymphocytes, ce sont ces soldats de notre organisme qui combattent l'infection. Et chez les personnes atteintes de MIKI, les lymphocytes immigrent en trop grande quantité du sang vers l'intestin, ce qui entretient en fait l'inflammation. Alors l'idée des chercheurs, elle est simple aujourd'hui, c'est de bloquer justement ce passage des lymphocytes entre les vaisseaux sanguins et l'intestin. Alors il y a une première molécule qui fonctionne sur ce principe, qui a été autorisée en France en 2014, c'est le vedolizumab, plus connu sous le nom d'Antivio du laboratoire Takeda. Alors pour le moment, il n'est pas donné à tous les patients atteints de MIKI, seulement ceux qui sont en échec thérapeutique, c'est-à-dire les patients pour lesquels les traitements classiques n'ont pas fonctionné. Alors cette molécule, elle est efficace, mais c'est tout de même pas une molécule miracle. À peine la moitié des patients ayant une rectocolite hémorragique, par exemple, répondaient favorablement au traitement. Mais les chercheurs, ils n'abandonnent pas cette piste, car le vedolizumab n'est pas la seule molécule à couper en fait la route des lymphocytes depuis les vaisseaux sanguins jusqu'à l'intestin. D'autres molécules qui fonctionnent sur le même mécanisme sont aujourd'hui à l'étude. Alors il y a une autre piste très encourageante qui est celle des globules blancs eux-mêmes. Le but, ce serait de les empêcher de communiquer entre eux et ils deviendraient alors moins efficaces. Et en France, il y a déjà une molécule sur le marché qui fonctionne sur ce principe, la tofacitinib. Mais alors elle n'est pas du tout utilisée pour le moment dans le cadre des MIKI. Elle est indiquée pour une autre maladie inflammatoire chronique qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde.
Covid. Et d'autres études sont pour le moment nécessaires avant de pouvoir l'utiliser dans le cadre des MIKI. Et enfin, évidemment, on parle depuis le début de cette émission de la flore intestinale qu'on appelle également le microbiote. C'est ces milliards de bactéries qui peuplent notre intestin. Elles peuvent être d'ailleurs bonnes ou mauvaises. Et les patients atteints de MIKI auraient donc un déséquilibre de cette flore. Et les chercheurs se demandent si tout simplement il ne serait pas possible en fait de rééquilibrer cette balance en donnant par exemple telle ou telle bactérie aux patients. Et pour le moment, seuls quelques essais cliniques ont été concluants. Et on a justement, je reviens, on a énormément de questions sur le microbiote dans les commentaires, notamment Marie Martin qui en début d'émission nous demandait où on en est de la greffe de microbiote. Donc je suppose qu'elle veut parler de greffe fécale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, effectivement, donc les médicaments qui sont actuellement sur le marché sont des médicaments anti-inflammatoires. Oui. Mais il y a de plus en plus de chercheurs qui s'activent pour tenter de soigner les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et d'autres maladies d'ailleurs, en modifiant la composition du microbiote. Ça peut être par une transplantation de matière fécale, effectivement. Ça peut être par des cocktails de bactéries qui sont lyophilisés, qu'on peut administrer par voie orale. Ça peut être par des phages, c'est-à-dire des virus qui vont cibler de manière très spécifique des souches bactériennes. Ça peut être par des antibiotiques, par des médicaments qui vont empêcher l'adhésion et l'arrimage des bactéries sur l'intestin. Et donc, il y a quantité de façons de modifier la composition du microbiote. Les probiotiques aussi, enfin, on en a déjà parlé, mais les prébiotiques, c'est-à-dire des nutriments qui vont favoriser la croissance de telle ou telle espèce bactérienne. Qu'est-ce qu'on a chez l'homme et qu'est-ce qui a été prouvé comme efficace ? Dans la rectocolite hémorragique, il y a eu plusieurs essais thérapeutiques. Il y en a eu 4, je crois, c'est-à-dire où les malades ont été tirés au sort pour avoir une transplantation fécale réelle ou fictive. Et 3 de ces 4 essais ont été positifs, c'est-à-dire qu'on a observé une amélioration. D'accord. Il s'agissait de patients qui avaient des formes minimes à modérées de rectocolite hémorragique. Mais c'est une preuve du concept qu'il est possible, en modifiant le microbiote, d'améliorer la rectocolite. Et concernant tous ces traitements, on en parlait tout à l'heure de la médecine personnalisée, on se rend compte que ce n'est pas à chaque fois efficace chez 100% des patients, que ce soit les anti-TNF alpha qui sont actuellement sur le marché ou alors l'antivio qui est pour les patients chez qui les traitements actuels ne réagiraient pas bien. En fait, il n'y a pas 100% des patients qui sont réceptifs à chaque fois à ces traitements. Est-ce que ça veut dire que du coup, ça sera des médecines qui seront très personnalisées? Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de malades. Bon, il y a eu beaucoup d'améliorations de la prise en charge de ces maladies ces dernières années, mais il y a des malades qui répondent, d'autres qui ne répondent pas. Et à ce stade, aujourd'hui, on a peu de moyens de prédire à l'avance quel malade va répondre à tel ou tel traitement, ce qui oblige à des tâtonnements et à des essais successifs avant de trouver le bon médicament chez certains malades. Chez d'autres, c'est dès le premier coup. L'émission touche bientôt à sa fin, mais avant de nous quitter, on va d'abord faire un tour du côté de la parole de deux patients, parce que nous avons rencontré deux personnes. La première, c'est Jeanne Demier. Elle a 25 ans, elle a été diagnostiquée Crohn à l'âge de 18 ans. Elle a reçu un certain nombre de traitements médicamenteux, et puis finalement, elle a choisi une voie assez singulière. On l'écoute. J'avais une alimentation, qui était... très artificielle, avec quand même quelques bons produits, mais à l'âge que j'avais, beaucoup de produits industriels, beaucoup de produits transformés, raffinés. J'ai décidé de changer d'alimentation et de faire une pause dans mes traitements. Je suis revenue à une alimentation de base, beaucoup plus saine, avec beaucoup plus de produits bruts. Je me suis tournée évidemment vers des produits bio, notamment pour les fruits et les légumes, mais surtout des produits locaux. Je me suis mise à respecter les saisons. Plus de soda, plus de gâteaux, même de gâteaux céréaliers, plus de farine transformée, donc plus de sandwich, plus de pâtisserie, plus de produits laitiers. En quelques mois, les symptômes ont disparu, mais non seulement les symptômes ont disparu, mais l'énergie est revenue peu à peu. Et j'ai retrouvé vraiment une pleine santé.
Jeanne Demier est d'ailleurs l'auteur d'un livre qui est paru à la fin de l'année dernière aux éditions Flammarion et qui s'appelle « Diagnostic et Crohn » où justement elle raconte un petit peu son parcours et son combat contre la maladie de Crohn. Professeur Carbonel, qu'est-ce que vous pensez justement du rôle de l'alimentation dans cette maladie? Qu'est-ce qu'on en sait? Il y a des éléments qui suggèrent que l'alimentation joue un rôle dans l'arrivée de ces maladies. Mmh. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du monde et l'augmentation assez importante de l'incidence de ces maladies en Asie. Il est possible aussi de traiter les poussées de maladies de Crohn par une nutrition artificielle. C'est le cas pour, par exemple, les adolescents, les enfants qui ont une poussée de Crohn et chez qui on veut éviter les corticoïdes. On les munit d'une sonde qui relie une poche de nutrition à l'estomac et ça met en rémission la maladie dans un nombre important de cas, à peu près du même ordre que les traitements médicamenteux. La difficulté, c'est de prolonger indéfiniment cette nutrition artificielle qui est quand même très, très contraignante. Donc l'alimentation joue un rôle, très probablement dans la genèse de ces maladies, puis ça joue un rôle thérapeutique dans les traitements de ces maladies. En général, ce sont des maladies sévères qu'on traite par la nutrition artificielle et souvent chez des adolescents ou des enfants. Maintenant, l'éviction des aliments ultra transformés, est un conseil qu'on, moi, je donne souvent. Justement, quel régime vous préconisez à vos patients atteints de Crohn ou de la rectocolite hémorragique? Un régime équilibré, varié, avec plutôt des aliments non ultra transformés. Éviter les aliments ultra transformés. Les plats préparés, les sauces. Tout ce qui contient des aliments, ou si vous lisez une notice et vous voyez des choses qui n'existent pas dans l'alimentation normale. Donc plutôt des émulsifiants, des additifs, etc. Plutôt faire la cuisine. Autre chose, chez les malades qui sont sous immunomodulateurs, je pense qu'il faut éviter le contact avec des aliments qui sont susceptibles d'être des facteurs d'infection, comme par exemple les viandes crues ou les fromages au lait cru, etc. Maintenant, il faut bien dire que le niveau de preuve scientifique, c'est-à-dire le degré de vérité de ces conseils alimentaires, ceux dont je viens de parler là, est très faible. On n'a pas de preuve que ça améliore la maladie. Ce qui n'est pas le cas pour la nutrition artificielle, où là, il y a des preuves que ça améliore les poussées, mais ça ne peut être que pendant un intervalle de temps assez court. Ce que je voudrais dire, c'est que ces conseils alimentaires, ils ne doivent pas se substituer au traitement, mais s'additionner. Je crois c'est vrai pour beaucoup de médecines complémentaires. Si les gens se sentent mieux avec l'hypnose, avec l'acupuncture, le recours à la méditation, je pense que c'est une très bonne chose. Hein. Mais il ne faut pas que ça remplace le traitement. Il faut que ça s'additionne au traitement. Si les personnes en tirent bénéfice, il ne faut pas arrêter les médicaments. Alors justement, ça me fait faire le lien avec une autre rencontre. Rémi Forrière, hein, qui est âgé de 32 ans, et Rémi a la maladie de Crohn depuis l'âge de 11 ans. Il est passé par tous les traitements possibles et inimaginables. Et puis finalement, il en est arrivé à la chirurgie. On l'écoute tout de suite. La corticothérapie, c'est très efficace. Mais il y a beaucoup d'effets secondaires, une agitation qui est extrême, quoi. On ne peut pas dormir du tout et on se sent justement, c'est ça, on se sent hyper bien, mais c'est stimuler des ressources qu'on n'a pas en fait. On m'a enlevé donc quasiment tout le côlon, l'ascendant, le transverse et le descendant et on m'a laissé un petit bout qui s'appelle le sigmoïde qui va jusqu'au rectum en fait. Pendant 3 mois, j'ai eu l'impression de revivre, clairement, sauf que les symptômes se sont déplacés au bout de 3 mois. Je ne prends plus de médicaments depuis 2 ans. La fin des immunosuppresseurs, c'est de moi-même que j'ai arrêté, puisque ça fait une dizaine d'années que moi, je travaille sur les soins alternatifs et les thérapies naturelles. Et je suis justement en train d'en faire un film en ce moment. Et en fait, ça m'a complètement aidé de mettre de plus en plus de côté, enfin de soulager mes symptômes jusqu'à mettre de côté les traitements. Il y a des plantes. Il y a tout ce qu'on peut considérer d'émotionnel comme la méditation, la gestion des émotions en elle-même, c'est vraiment quelque chose d'important. La médecine traditionnelle chinoise, la médecine ayurvédique, tout ça. J'ai fait tellement de choses que je ne peux même plus me souvenir de tout ce que j'ai fait. En tout cas, ça m'a vraiment aidé, c'est sûr. Professeur Carbonel, on voit que certains patients rejettent finalement les traitements conventionnels et se tournent vers des médecines dites non conventionnelles ou alternatives. Qu'est-ce que vous avez à en dire en tant que médecin ? Je pense plusieurs choses.
Il y a eu des progrès qui ont été accomplis dans le traitement des MIKI là, ces dernières années. Et ces progrès sont fondés sur des études qui sont réalisées selon un protocole scientifique très rigoureux, où on compare par exemple l'efficacité d'un médicament à un placebo, c'est-à-dire à une substance inerte qui n'a pas d'effet biologique propre. Et on voit si la différence est importante, si elle est significative ou pas. Vous avez parlé du vedolizumab. Par exemple, dans l'essai sur le vedolizumab, il y avait les personnes qui ont été tirées au sort pour recevoir du placebo. Un quart d'entre elles ont été améliorées par le placebo. Donc il y a un effet de placebo qui est lié au... Donc pour toutes ces médecines traditionnelles, la méditation, la médecine ayurvédique et autres, le niveau de preuve est inexistant en fait, puisqu'il n'y a pas de preuve scientifique que ça fait du bien. Enfin, que ça fonctionne en tout cas. Que ça fonctionne et que ça a un effet supérieur au placebo. Mmh. Donc il faut dire la vérité, le niveau de preuve est inexistant dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mmh. Ce sont des maladies qui sont parfois graves, très sévères et bon. Avec un risque de décès. Il y a des malades qui parfois ont une évolution fatale. Mais c'est assez rare. Pour ces maladies, l'efficacité des médecines traditionnelles n'a pas été établie. C'est la vérité. Beaucoup de patients y ont recours parce qu'ils sont en partie insatisfaits des médicaments qu'ils reçoivent, aussi peut-être des médecins qui leur prescrivent. En fait, quand on fait des enquêtes, il y a un nombre important de patients qui ont recours. Et quand une personne est améliorée par la méditation, par l'acupuncture, par l'hypnose, très bien. Mais il ne faut pas que ça remplace la médecine, il faut que ça s'ajoute à la médecine, je pense. En complément. Si ça améliore le bien-être des personnes, c'est bien. Donc il faut les encourager à poursuivre, à condition que ce ne soit pas toxique. Par exemple, les plantes, la médecine par les plantes, c'est quelque chose qui se rapproche nettement plus du médicament. Il y a un article qui vient de sortir dans une grande revue américaine de gastro-entérologie, qui s'appelle Gastro-entérologie, qui suggère l'efficacité d'une plante chinoise dans la rectocolite hémorragique. Mais apparemment, il y a des effets toxiques, en particulier sur le poumon. Il y a des substances actives dans les plantes. Donc méfiance, en fait. De manière générale, la médecine progresse par des protocoles scientifiques rigoureux qui évaluent l'efficacité, mais aussi la sécurité d'emploi des médicaments. C'est déjà la fin de cette émission. Il y a eu beaucoup de questions. On n'a pas pu toutes les prendre, mais vous pourrez en tout cas revoir l'émission en intégralité sur Facebook et sur le site du Figaro Live. Je remercie le professeur Carbonel d'avoir accepté notre invitation, Anne et Aurélie également. Je remercie également les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission, Maxime Cuny, Laure Carmanac. Et merci enfin à Jeanne Demier qui a témoigné et qui est l'auteur de ce livre « Diagnostic et Crohn » aux éditions Flammarion, ainsi que Rémi Forrière qui est actuellement en train de réaliser un documentaire « Cobaye de vie ». Vous pouvez participer pour l'aider à réaliser ce documentaire. On se retrouve dans un mois pour la 10e émission de Toc Toc Docteur. Et d'ici là, portez-vous bien.